je viens juste faire là. Donc là, je fais 7 épisodes à la suite du dernier. Juste pour vous dire que j'ai eu les boules de ma vie parce que j'étais à deux doigts de me faire arrêter par le par la pierre de téléport à cause d'un zombie. Oh, j'ai les boules. Salut tout le monde, c'est MacLean85. Aujourd'hui, on se retrouve sur NT No's Tale pour la suite de cette pour la suite de guide de la spécialiste numéro 4. Donc la dernière fois, on avait obtenu les deux objets. Alors c'était, je suis toujours derrière moi, c'était le traité de Whitney et le serre-tête. Le serre-tête d'ailleurs où j'avais les poules parce que voilà, je trouvais pas en fait qu'il était bien tombé. Randy Bras, bah moi je suis pas de Randy Bras, désolé. Pas le level. Pour l'instant je me démerde pas mal, le problème c'est que si je fais 3 morts entre chaque seul, je suis pas rendu. Entre chaque espace là, pardon. Vous allez vous poser des questions. Alors là, j'ai mis du mystère. Ah non, c'est pas là. Oh, fais chier, tiens. Alors, on va mettre les bonnes résistes selon les mobs. Bon, ici, ça t'attaque de loin. On passera des types. Ouf. Chaque fois, j'en tue ça après. Ça me fait peur ça. J'ai pas d'XP obscur en plus. Au moins, je fais cette vidéo. La spécialiste numéro 7 n'est pas encore sortie. Si vous vous demandez, et donc il paraît qu'elle va bientôt sortir, hein. J'ai cru entendre ça. Donc on verra bien. Voilà. Tiens, tu l'as trouvé facilement. Attends, je vais en faire un fragment de mémoire. Génial, comment tu fais ça? C'était pas une copie, mais le vrai fragment de mémoire. Je n'ai fait que lui rendre sa vraie nature. Prends-le. On accepte la quête. Ok, maintenant il faut aller le voir et il va nous donner la pierre de l'espace-temps. Ah mince, mais j'aurais grand off, j'aurais pu prendre les potions, tout ça, mais je l'ai pas fait, donc j'aurais le faire juste après. Cette zone-là est très réputée pour gagner de l'or à cause des plumes d'ange. Là-bas, il y a de 73 qui donne 50k à chaque fin d'espace-temps. Les plumes d'ange, ici, il y a les peaux de lézard pour une arme. De mage, je crois, parce que je sais que je connais quelqu'un qui fait cette quête-là. Enfin, qui sait pour qui fait cette quête, c'est pas une quête. Mais... Hop là, j'ai une question. Voilà, go. Récompense, s'il te plaît. Donne-moi. Voilà. Bon. J'ai fait un petit tour sur YouTube pour chercher, pour voir. Enfin, sur YouTube. Alors, attendez. Départ 1 et 2, détruisez tous les monstres. 3, battez Whitney, Catherine. Bon, ça y est. Elle est grande là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Très bien. Donc, je vais partir pour Nozville. Vous inquiétez pas, je vais faire ça en off, hein, je commence à faire la route pour transférer donc toutes les popos, tout ce qu'il faut quoi, tout ce qu'il faut, et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà tout le monde, on se retrouve dans le tse. Alors attendez, je balance les popos. Donc j'ai regardé vite fait le tse, j'ai vu qu'à l'intérieur avait des mobs de type Lulu. Donc c'est ça qui me... Ouais, j'ai bien fait. Yes, parfait. Oh, putain, par contre, top fort, j'ai bien aimé Isis, oui. Oh, punaise. Encore. Vous pouvez le voir, j'ai fait des glaces à Donf. Bon, je tape pas très fort, hein. Celui-là là, bah dis donc. T'as rien donné. T'as risqué de choses au-dessus.
Donc là en fait pour l'instant là, là donc vous ça fait une seconde hein, que je suis parti. Mais pour moi ça fait un petit moment parce que j'ai fait un raid de Castra avec la Fafa. Ok très bien. Bon ça va, y a pas beaucoup de mobs mais bon. J'en suis à battre. Donc là on fonce. Ouais mes résists sont pas très. Sont pas très résistants. Enfin elles me permettent pas de résister à donf quoi. Ça va, pour l'instant je suis content, je trouve que ça va assez vite la quête. Je crois que c'est la deuxième étape qui va être un peu plus compliquée. Côté ma guérison me permet. Oh, parfait. La défense qui te réduit. Ouh là là. La totale. Comme j'ai demandé à quelqu'un de la Fafa s'il pouvait me foutre une Momo, hein, c'est pour ça que j'ai la Momo malgré ma SP. Ouh, les plus forts chez moi. SP qu'un. Bien fait de mettre ton SP devant. Parce que sinon je vous dis pas combien je taperai avec le 3 SP. Hein. J'aurais pu mettre la SP 6. Mais le problème c'est que ça me bouffe des MP à une vitesse. C'était pas une bonne idée. Attendez. Wouah. Ça je m'en souviens que j'en combattais avec quelqu'un. Putain. Là, là, là. Attendez, merde. Déjà, les résistos ça pourrait servir je pense. Déjà on a vu que ça baissait de 100, on avait tapé 400 lui. J'adore cette musique, ça fait un bail que je l'ai pas écouté. Merde de chien. Chaîne de critique. Si on va devoir combattre quelqu'un. Ouah les mains, les jeunes taux, punaise. Ça je vais devoir en battre, ça je m'en souviens. Vas-y stop, ce que s'il vous plaît. Oh putain de merde. Ça snack, je vous le dis moi. Bon, j'aurais pas assez de popo moi. Attends le chien. Ouah, tout ce que je me prends. Putain de merde, c'est pas vrai ça, mais il me tape super fort. Oh, c'est cheaté là-haut. Genre la meuf. Merde. Putain, il était chaud lui. Hein. Punaise. 10 popos. Alors attendez la suite. 4. Salle 4. Activez le levier. Très bien. Salle 5 détruit tous les monstres, salle 6 active le levier, tous les monstres tue le boss, ok. J'espère que la salle de fin c'est... Oh putain. J'ai des vies, j'ai des vies. Je m'en suis fait des glaces, alors là je peux vous dire que là... Yes. Oui. C'est bon ça. T'as comme dingue celle-là. Hein. Un sac aussi, c'est vrai que je suis sa faiblesse. Hein. Oh punaise, ça prend cher. Il s'est activé le levier. Mmh. Oh, sympa en gouffre. Faut pas que je descende, ok. En fait, il faut que je descende. C'était
s'était pas dit. Que c'était mal exprimé. Attends, c'est moi qui ai dit la sérieux. Imaginez, je serais pas là. Oh, attendez, ça j'ai oublié. Hop, vas-y, attaque. C'est chaud. Je sais pas quel SP mettre, hein, sérieusement, parce que là. Attendez, ça sert à rien, mais je m'en fous, je prends. Enfin, en tous les cas, pour mon level, ça sert à rien. Heureusement qu'elle a des tonnes de vie, là. Finaise. Bien joué. Guérison. Un snack. Plus ça 510, allez, ouf. C'était pas dit hein. Sur le site il disait faut pas descendre censé. What the fuck, comment ça c'est qu'elle est déjà seule lui. Non d'accord, c'est que j'ai dû lancer l'attaque et ça l'a pris tout de suite en. En fait, cet SP là n'est pas la bonne du tout à cette. L'SP feu, je pense qu'elle serait mieux. Au départ, il y a du. Putain, c'est trop chaud. Là, je lance comme ça l'attaquer. Comme ça, je récupère. Allez, viens, attaque-moi, toi. Merci. J'oublie snack. Putain. Ouh le bug. Putain. Ok, faut que j'aille au 6, donc c'est-à-dire tout à gauche. S'il n'y a rien à faire, faut aller tout droit. Et aussi, c'est quoi ça? Salle 6, activer le levier. Type feu, moi je vous le dis. Bien vu. Bien vu, mec. T'as mis ta prime du tout? Oula, attendez. Les popos commencent à s'extomper. Voilà. Alors attendez, minute. Oh non. Oh, tout le monde, désolé. Enfin, oui, normalement, il n'y a pas de coupure. Moi par contre j'ai eu une coupure. Il y a eu un problème. Allez go. Putain. Alors là j'ai le lag, hein. J'ai eu un lag de folie. Je m'en excuse. C'était pas voulu. Ok donc là il faut que je monte ça à 8. Ok alors attendez vous compte, je fais un truc. Ok on monte ça à 8, c'est marche. Allez, c'est parti. Hop là, un petit peu de snack. Putain. Il y en a un autre en haut. Je regarde pas le temps, hein. On va pas couper en plein de ça. Je crois que ça va faire juste 30 minutes.
pense passer au 5 aussi. Je me souhaite plus de trucs de poulet là, ça coûte pas cher ça. Ça en est 200 malades, c'est 950 aussi. Ça c'est un peu plus intéressant. Voilà. Toi des petites guérisons, c'est parti, attaque. Go. Sans, j'ai pas perdu de vie, c'est très bien. Ça, c'est très bien, les mecs. Les mecs. Donc attendez, si petit repos. Double glace. Ça devrait suffire. Hop, hop. Qui va vite partir. Là on est parti, hop là, une petite guérison comme ça. J'attends l'âme. Hop là. Parfait. Oh putain, ce qu'il lui met, ce qu'il lui met. Oh là là là, bah dis donc, dites-moi, c'est que je suis chanceux. Ok, ensuite, après, il reste plus qu'une salle où il faut faire des combats, et ensuite, on est bon, on a fini. Quoi, ça tu... Ce qu'elle me met, ce qu'elle lui met aussi, surtout. Je vais devoir combattre ça, je crois, en plus. Ouh là là, les monstres d'acte 3 sont terrifiants. S'il n'a plus. J'avais compris ça. D'accord. Ils se sont gourés sur le truc, ils avaient dit que le boss se situait dans la salle d'après. C'est pas grave. Au moins, je le fais. Allez, moi je balance tout dans la face, tout dans ta face. Allez hop là, prends-toi ça dans la face, moi je me guéris. Et hop là, il prend-toi ça. En plus, ce qui vient, c'est qu'il chope les debuffs. Hop, skiff. Putain. Good job. Ouh. C'est bon. Po, 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 po. Humain. Tu es un démon, mon nom est Archteridon, duc d'enfer. Toi, veux-tu passer un pacte avec moi? Pourquoi? Tu es maudit et vas mourir. Mais si tu passes un pacte avec moi, tu peux survivre. Tu veux venger la mort de ton ami? Qu'est-ce que tu veux de moi? La même chose que toi, la revanche contre les anges. Alors, ok, c'est d'accord. Arrête ça, s'il te plaît. J'ai pour mon ami de survivre coûte que coûte. Je dois venger la mort de Daisy. Merci de t'inquiéter. Whitney! Ça va, c'est gentil. Ouh, moi c'est plus qu'une minute en plus. Le temps, j'avais pas fait gaffe du tout. Hop là. Bon, voilà, comme vous pouvez voir, j'étais à Noseville. Bon, ben j'ai complété ce truc. Un petit peu d'XP, fait plaisir. Alors, je me guéris. On retire cet SP. Je vais avoir du temps d'attendre, je pense. 207 secondes normal. Allez, go, va mon crème. Ok. Je sais pas ce que j'ai gagné. 5 cadors pour ça quoi. Bon, par contre j'ai gagné plein de réputes et de la dignité. Ça fait plaisir. Je suis à 69. 230 000 pour up. Je suis pas rendu. J'ai parlé à la pierre d'âme et je vais vous laisser là-bas. Je vais laisser à la pierre d'âme. Je vais sûrement continuer la suite. Là, j'ai qu'une envie, c'est de finir cette quête. Enfin, de toute façon, je serai bloqué. Je serai bloqué au 3ème. Ouais, c'est ça. Je serai bloqué. Tant pis.
Alors j'ai vu ce qui va m'arriver dans le dernier de ceux, ça va pas être joli joli hein. Bon, prochaine, la suite. Parler avec la gemme mystérieuse. Ok, ça c'est ce qu'on va faire. Ensuite, aller voir avec... Chasser 80 yaks bûcherons. Oh, faut juste les tuer. Expliquer ce chien, je vois, ça veut tout dire que 90 et ange. Qu'est-ce qui a pris à Ousine de faire un pacte avec Archetéridon? Ce n'est pas raisonnable, il n'avait pas le choix. Pourquoi? Elle était condamnée à mourir à cause d'une malédiction. Ah, et bien, tu devrais trouver les autres fragments. Quelques fragments de mémoire devraient t'aider à en trouver d'autres. Je regardais le level. Pouah, chance. Ça me saoule ça. Alors. Bon, on va aller lui parler à la fille qu'il faut. Et on se retrouvera pour la prochaine fois pour la chasse aux monstres. Hein. Donc je vais vérifier les mobs. Je crois que c'est ceux qui sont là. Donc c'est ça que ça veut dire. Ce sont des types O. Souche d'un, non, c'est pas ça, c'est quoi un yak? Pierre. J'explore. Interne d'entrepôt, donc c'est ici. Ok, ici, alors. Ouah, wow, bah donc. Eric, flèche des vents. Eric, pardon. Eric, s'il te plaît, regarde ceci. Quoi? Ah, c'est enfin, on est mort. Je peux voir quelque chose, je vais te dire ce que je vois. Non, c'est Jack. Au côté obscur de la forêt d'érable. Ah oui. Bon, on va aller chercher. Et je vais vous laisser. Du fleuve, etc. Du forestier. Pop, côté obscur. Ok, c'est là-bas. Moi je sens bien la SP je sens bien des monstres de type Lulu hein, parce que. Enfin de type obscur plutôt. C'est quoi comme ça 71. Je les cherche hein. Oh punaise. Ah il me fait mal. Ah c'est ça. Oh type Lulu en plus, ah, d'accord. Complètement logique. Attends, eux ils vont me faire du dégât. J'arrive pas à lui ce qu'il vient de me foutre là. Pute. Ouais, bien sûr. Oh putain. Hop là, enfonce tout de suite, arène privée. Hop là. Ouf. Bon. Là, c'est d'une grosse réflexion. Faut que j'essaye. Il faudrait que j'essaye, ouais, je vais faire ça. Je replace ces attaques vers le Sigori. Voilà. Bon.
qu'on est bon là, on a dû voir le temps. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était le tse numéro 1. Il a été fait voilà tranquillement. Enfin il y a eu des moments où c'était un petit peu chaud. J'ai cru que j'allais mourir. Mais au final on était bon, on était bon. Donc la prochaine fois, ben on fera tous les. On essaiera de chasser tous les monstres. Donc voilà voilà. Donc c'était l'épisode 2 hein, du guide de la spécialiste numéro 4. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Salut tout le monde!